Bonjour, salut, bienvenue à l'école internationale d'Australienne à Malaisie. Nous avons plein de cultures et beaucoup de gens de différentes nationalités qui font votre communauté unique. Nous sommes la seule école australienne à Malaisie et nous avons les écoles primaires et secondaires. Nous sommes à l'école secondaire, c'est l'année 6 à 12. Il y a 400 élèves à l'école secondaire. Au reste de châssis, nous avons une réception, celle de l'année 12, celle de technologie et la piscine. Au premier étage, il y a celle de professeur, la salle de classe, la classe d'informatique et il y a deux laboratoires de sciences et la salle de dessin. Deuxième étage, nous avons la plupart des cours de langue. Le français, le bahasa, l'espagnol et le chinois. Il y a aussi deux laboratoires de sciences, une salle ordinateur et le bureau de conseiller. Au troisième étage, il y a seulement deux salles de classe et une salle de professeur. Chaque étage est marqué par la lettre A avec trois chiffres après elle. L'école primaire est située en face de l'école secondaire. Elle est attachée à la bibliothèque et au bâtiment de musique. De l'école maternelle au CH, de SCMA, étudiée à l'école primaire. L'école est très grande avec la salle de technologie, une salle de dessin et une salle d'études. Il y a aussi une cour de récréation pour les élèves. Et l'école primaire a sa propre réception. Les salles de classe sont très brillantes et jolies. C'est un environnement parfait pour les élèves. C'est la salle de gym, comme vous pouvez le voir. Il existe quatre affiches représentant les quatre différentes maisons. Chaque chambre est un célèbre sportif australien. Taupe et bleu représente Ian Taupe, sauvage et vert, elle représente Louise Sauvage, rafter et rouge, elle représente Pat Rafter, et jaune, elle représente Kathy Freeman. Le gymnase est équipé de différents équipements, tels que le basketball, netball, bâton, le hockey et de bien d'autres. Arakuda sont une équipe de natation pour notre école. La formation a lieu tous les matins à la piscine et tout le monde peut les joindre. La formation est très intensive et dure pour une heure. L'équipe est divisée en trois niveaux, or, argent et bronze. Il y a deux entraîneurs. Autour de la piscine, nous avons les installations comme nul de piscine, les fauteuils et panneaux de piscine. La compétition de natation scolaire est l'un des trois principaux événements de sport à l'école. Les quatre groupes de sport, taupe, sauvage, féminin et rafter, entrent en compétition pour les trophées. Il y a deux compétitions de natation par an. Une pour le primaire et une autre pour le secondaire. Dans la classe de chinois, ils étudient la langue parlée par la majorité de la Chine. Maintenant, ils apprennent à parler de la météo et décrire leur vêtement. Qui vous portez, le chinois est une langue populaire en Malaisie par laquelle beaucoup de gens sont influencés. Hello, how are you? Hello. Hello. How are you? How many years have you taught in AISM? 这是我的第三年了。Why do you like working in AISM? 在这里呢, 就是有一个很好的地方, 就是所有的学生都有他的可能性。 So, 每个人都不一样, 每个人学的东西都不一样。 En classe espagnole, ils apprennent surtout à parler, lire et écrire, mais ils ont aussi appris comment faire cuire la nourriture espagnole. Maintenant, ils apprennent à parler de la nourriture et décrire la technologie.
L'espagnol est une langue populaire en Amérique du Sud par laquelle beaucoup de gens sont influencés de l'apprendre. Bonjour, Mme Vendez-Jones. Comment allez-vous? Estoy muy bien, muchas gracias. Depuis quelle année vous enseignez en ERSA? Hace un año y media que estoy trabajando aquí en Kuala Lumpur, en ERSA. Pourquoi le professeur Adon enseigne en ERSM? Porque me gusta trabajar en escuelas internacionales. Hace 20 años que lo hago. C'est la salle de français. Vous pouvez regarder ici le professeur français décorer la salle avec la carte et la référence française. La salle des Français est très grande et on peut accommoder les grandes années. Comme les années 6 et 8, voici Madame Esch. Et elle est professeure français, aussi bien la chef des langues en ERSM. Elle est française australienne et elle enseignait en Australie avant d'arriver à Malaisie pour enseigner à ERSM. Bonjour Madame Hesch, comment allez-vous? Bonjour, je vais très bien, merci. Ok. Depuis quelle année vous enseignez à ERSM? J'enseigne à ERSM depuis 2015, l'année dernière. Okay. Pourquoi le professeur adore enseigner à ERSM? Le professeur adore enseigner à ERSM parce que les étudiants sont très sympathiques. Très travailleux et très. C'est un plaisir d'enseigner à ERSM. Oui. Bahasa est la langue nationale malaisie. La salle Bahasa est très spéciale et s'est approvisionnée avec des beaucoup de dictionnaires Bahasa pour les élèves. Bonjour tout le monde, comment vous trouvez Bahasa? Nous adorons Bahasa parce que la professeure est très bien et nous comprendrons tout en ce cours. Bien, bien. Qui a-t-on apprendre aujourd'hui? Nous avons recherché entre la culture pop en Malaisie et nous devons finir ces semaines. Wow, vous êtes très heureux. Mr. Abou est très fier. À vous? Oui. D'accord, merci. Merci. Oh, bonjour, monsieur Abou. Comment allez-vous? Kababae, ça y est, c'est hard. Depuis quelle année vous enseignez à ERSM? Saya bertugas di ISM selama 14 tahun. Pourquoi les professeurs adorent enseigner à ERSM? Saya suka berkhidmat di ISM sebab disebabkan oleh saya kerana saya sukakan ISM. Saya sukakan sekolah ini dan saya sukakan pelajar-pelajar di sini dan saya sukakan kawan-kawan saya di sini. Okay.